Come with me, come with me, scold with me, yes.
Merci. C'est la première date de notre tournée, du coup on est un peu rouillé. Il y a plein de trucs qui marchent pas trop bien. On adore. Ça va. Non mais ça va parce qu'il y a Treux qui rattrape au son devant là, faut dire merci à Treux. On est hyper content d'être là vraiment. Ça fait plusieurs années qu'on nous demande de venir jouer, à chaque fois on n'y arrive pas. Alors c'est littéralement juste à côté de chez nous. Quand on est arrivé, qu'on était accueilli, qu'on nous a fait visiter, je sais pas, il y a un truc qui est vrai dans ce genre de festival là qui est trop cool. Je parle pas du line-up qui est juste insane, mais je parle vraiment juste du fait que, je sais pas, il y a une espèce de convivialité, il y a un vrai truc qui se passe. Là. Vous allez d'ici, après vous allez là-bas, après vous revenez là, vous pouvez voir tous les groupes. Il n'y a pas de putain de groupe qui se chevauche vraiment. Et le fait qu'on puisse traîner avec tout le monde, tout le temps aussi, ça c'est hyper important pour nous. Donc un grand merci les Lunatiques de nous avoir invités, on est très heureux. Je pense qu'on a eu tendance à oublier à quel point c'était important de se retrouver ensemble de façon safe, hein, bien sûr. Hein. N'essayez pas de vous tousser à la gueule ou des trucs comme ça, ou les punaises de lit, tout ça, je sais pas. Mais vraiment, c'est des espaces qui sont hyper importants. Je pense que c'est un peu des façons aussi de militer d'une certaine façon, en fait. Juste le fait de dire aux gens, en fait, vous pouvez être tous dans la même pièce sans vous foutre sur la gueule. Vous pouvez tous dans la même pièce regarder dans la même direction et faire des trucs ensemble plutôt que d'être comme moi je peux l'être par exemple tout le temps enfermé chez WAM et pas rencontrer grand monde à part ici bien sûr. Donc vraiment c'est hyper important qu'on ait ce genre d'espace là. Le prochain morceau on l'a écrit un peu spécifiquement pour tous les gens qui croient encore qu'il y a un meilleur futur à construire, tous les gens qui affrontent la violence policière à chaque fois qu'ils ont quelque chose à dire, tous les gens qui se font fracasser la gueule juste parce qu'ils ont quelque chose à dire, ou tous les gens qui se font fracasser la gueule alors qu'ils ont juste rien fait, parce qu'apparemment maintenant c'est comme ça. Vraiment ça, je sais pas comment expliquer ça autrement qu'un grand merci, parce que moi j'ai beaucoup perdu espoir dans tout ça, et voir le fait qu'il y ait encore des gens à foutre des putains de cagoules, à aller péter des trucs, à aller juste manifester pacifiquement aussi, c'est hyper important, ça redonne l'espoir à beaucoup de gens.
saw you and I knew you were a prison. The rusty sword on my back. All that is to nonsense. The scream on your hands, talking your phone cracks. Responsive, we see the test for you.
Essayer de ne pas déborder parce que derrière il y a des groupes hyper cool et j'espère que vous êtes contents de les voir. Voilà. Les deux prochains morceaux ils parlent particulièrement de la dépression et des gens qu'on découvre et qu'on rencontre dans la dépression. Et pour faire vraiment très simplifié, il y a deux cas. Il y a le premier cas où il y a les gens qui se disent vos potes et puis quand vous allez mal ils vous enfoncent ou carrément ils vous dégagent. Et puis il y a le deuxième cas où en fait il y a des gens incroyables qui sont là pour vous aider, pour vous tenir la main, pour vous soulever et vous aider à aller au travers de toute la merde qui se passe partout autour de nous, des fois juste dans nos vies personnelles mais aussi juste partout en fait. En fait il n'y avait plus besoin de dire quoi que ce soit, tout est de la merde on a l'impression. Et du coup ces deux morceaux là ils parlent de ce truc là, c'est une façon pour nous de dire aux gens soyez pas des merdes avec les gens qui vont pas bien, genre essayez d'être sympa. Essayez d'écouter, essayez de comprendre, essayez de soutenir, surtout, c'est très important. Merci.
We'll be right back.
maintenant. 3 minutes pour lancer une. Un grand merci encore à vous tous et à vous toutes d'être là, on est hyper hyper contents encore une fois. Si jamais vous voulez discuter, on sera dans le coin, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera là pour regarder Ingrina, ça c'est obligé. Donc n'hésitez pas à venir discuter, c'est toujours hyper intéressant pour nous de rencontrer des gens. Donc, voilà. La prochaine, c'est pour tous les copains, les copaines, tous ceux qui sont dans le coin, ça s'appelle I Don't Dance. On fait I Don't Dance du coup. On fait I Don't Dance. On pourrait faire Young. Non, non. On pourrait faire Smell Like Teen Spirit, je pense.